Hey, salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être un haul AliExpress. Donc, j'ai commandé pas mal de petites choses. Je dois avoir à peu près une dizaine, une quinzaine d'articles à vous montrer dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et bien sûr, à me laisser un commentaire. Je pars pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, il y a certains colis qui sont ouverts, en fait, tout simplement, parce que j'ai dû checker. Je vais commencer tout de suite. Pareil, comme d'habitude, il y aura... tous les liens seront référencés dans la barre de description. Comme ça, s'il y a des objets, des produits qui vous intéressent, ça sera plus simple pour vous d'aller les trouver. Donc, je commence avec le premier. Donc, il était déjà ouvert parce qu'en fait, j'ai tout simplement déjà essayé. Donc, je pense que vous voyez ce que c'est. C'est les fameux leggings qu'on voit un petit peu partout sur Snap. De style, enfin de la marque Ovaya. Bon, là, c'est pas la marque Ovaya que j'ai commandé. C'est chez AliExpress. En fait, j'ai tout simplement fait une photo du leggings Ovaya que j'ai trouvé chez les candidats de télé-réalité. Et ensuite, en photo, je l'ai mis sur AliExpress. Et voilà, j'ai trouvé celui-ci. Donc, pareil, les prix seront indiqués comme d'habitude, sachant qu'AliExpress. Les prix varient un petit peu, toujours environ, enfin ça dépend quand est-ce que vous faites l'achat, mais les prix varient un petit peu. Donc du coup, c'est les fameux leggings anti-cellulite push-up. Donc ça, en fait, je l'ai acheté tout simplement pour le comparer au vrai. Il y a une vidéo qui arrivera très prochainement sur ma chaîne YouTube, justement, où je teste les produits des candidats de TRD qui nous vendent, en fait, voilà, tout simplement, leurs fameux produits miracles qui vendent un petit peu de tout et n'importe quoi. Du coup, j'ai sélectionné quelques produits de télé-réalité que je vais tester et que je vous ferai une vidéo. Et justement, en fait, quand j'ai commandé le leggings Ovaya, je me suis dit, mais je pense que je vais trouver la même chose sur AliExpress. Et voilà. Du coup, je l'ai commandé pour ça. Après, bien sûr, vous verrez, je ne dis rien d'autre dans cette vidéo. Je vous dirai ce qu'il en est dans les prochaines vidéos au sujet de ces leggings et les produits de télé-réalité. Hop, donc ça, pareil, c'est un colis qui est déjà ouvert. Donc là, c'est des produits, enfin, c'est des chouchous tout simplement que je me suis commandé. Donc en fait, je l'ai trouvé très très, bah, très joli en fait. C'est juste tout simplement un élastique comme ceci avec. Les petits nœuds. Je vais juste tester voir ce que ça donne. En plus, ça tombe très bien parce que j'ai pas les cheveux attachés. Donc c'est pareil, je les ai pas payés cher quoi. Enfin, moi toutes ces, y a... je commande énormément sur AliExpress. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant ils font ce qu'ils appellent la livraison combinée. Donc ça veut dire souvent sur AliExpress, on commande un article chez tel vendeur et un autre chez. Enfin, bref, vous commandez plusieurs articles, mais de chez plusieurs vendeurs et en fait du coup là au lieu qu'ils arrivent petit à petit en fait ils arrivent dans un emballage et à l'intérieur vous avez les autres produits donc je trouve ça vraiment très bien donc voilà ce que ça donne en fait bon là c'est un petit peu fait à l'arrache mais voilà un petit peu l'esprit dans lequel je voulais et en fait j'aime beaucoup quoi j'aime bien que les petits nœuds bon là j'avoue c'est fait à l'arrache hein, mais... alors qu'est-ce que c'est que ça ah oui. Je me souviens. Hop. Ah, je suis pas trop fan de la matière et je pense que ça va être transparent complètement. Donc c'est un petit crop top Sailor Moon tout simplement que je me suis prise. J'adore Sailor Moon, voilà, je suis une grande enfant. Sailor Moon, ça a bercé franchement mon enfance. Je trouve très 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 sympa. Par contre, je pense que ça va être. Je pense que ça va être transparent ça. Je sais pas, mais j'ai un doute. Au niveau de la matière, par contre, je suis pas trop trop fan. C'est une espèce de matière. C'est du visco, je pense, ça, parce que vu la matière, enfin, il n'y a même pas d'étiquette. Bah, je pourrais pas vous dire en quoi c'est, parce qu'il n'y a même pas d'étiquette. Mais on paraît que j'ai pas payé cher, mais au niveau de la matière, je pense que moi, ça va pas me plaire. Après, sinon, il est super super mignon. Je l'ai pris un petit peu plus grand. Je crois que j'avais pris la taille M, si je dis pas de bêtises. De façon que ça soit un petit peu plus large. Donc voilà, c'est pareil, je crois que je ne l'ai pas payé trop trop cher, 3 ou 4 euros. Je sais pas. Bon, si moi ça ne me va pas, au pire, ça ira toujours à ma fille. C'est là, c'est un tout petit colis. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est pareil, c'est un autre.
élastique, sauf que là, les petits nœuds, ils sont beaucoup plus petits. Ça va peut-être faire mieux d'ailleurs, ça, avec un nœud plus petit. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas mal de petites choses pour les cheveux, mais ils font tellement d'accessoires super, super mignons et pas chers en fait. Ouais, j'aime bien, ça fait trop mignon. Bon, là, c'est noir, donc on voit pas trop avec mes cheveux, mais j'aime bien. Bon, je vais les enlever parce que. Hop. Ensuite. Je pense que ça va être pareil. J'en ai combien comme ça, moi, des. Je me fatigue, franchement. C'est exactement le même, sauf que voilà, celui-là, il est en beige. Donc là, je pense que c'est pareil. Ça va être aussi pour les cheveux. Ouais, je crois que j'ai fait le plein d'accessoires de cheveux parce que bah, j'en ai pas énormément fait. Hop. Ah là, c'est des bandeaux, je crois. Donc là, je me suis acheté des bandeaux tout simplement pour mettre dans les cheveux. Hop. Donc il y en a un qui est. Comme ceci, hein, voilà, j'aime beaucoup le rouge, il est vraiment super sympa et je l'ai pris également comme ceci, donc en noir. Donc c'est pas du tout le même style en fait. Là vous avez pas de petits nœuds alors que là vous avez le petit nœud. Enfin moi je sais pas trop si ça va m'aller les petits trucs comme ça en fait. Je sais pas trop comment ça se porte. Bon là avec ma coupe évidemment ça fait un petit peu con parce que je suis pas du tout coiffée. Je me suis lavé les cheveux hier, du coup là j'ai l'impression de ressembler à une folle. Et comme mes cheveux, je les sèche ni au sèche-cheveux, enfin ils sèchent à l'air libre. Du coup voilà, j'ai dormi cette nuit. Donc là on dirait une espèce de folle avec ma crinière. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup en fait les petits bandeaux comme ceci. Et c'est pareil quand je vois sur les sites type ASOS, combien ça coûte? Franchement, je préfère largement passer par AliExpress, même s'il faut attendre 2-3 semaines. Je suis pas à 2-3 semaines pour des accessoires pour les cheveux. Ensuite. Ah oui. Alors, ça, je me suis acheté ça. En fait, c'est pour mes doubles rideaux. Tout simplement. C'est des espèces de. Bah, comment on appelle ça? Enfin, ouais, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, c'est juste pour accrocher les rideaux en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont aimantés en fait. Donc, du coup, vous avez vos doubles rideaux qui sont là, et c'est juste pour les maintenir. Moi, j'aime bien en fait. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de truc pour les tenir au milieu. Du coup, bah, je vais tester ça, comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, en fait, bon, là, vous n'allez pas trop voir parce qu'en plus, il y a un espèce de contre-jour. Donc, en fait, voilà, j'ai mes doubles rideaux qui sont là. J'ai juste mis ça ici. En fait, c'est juste pour les maintenir de façon à ce que quand je me recule, en fait, vous voyez ce que ça fait, que ça fasse comme ça, en fait. Et j'aime beaucoup le rendu, ça fait mieux que en fait les doubles rideaux tout droit, tout long. Voilà, moi j'aime beaucoup comme ça. Ensuite, j'ai ceci. Donc, en fait, ça c'est pour faire pour boucler les cheveux tout simplement. Donc, je pense que je ferai une vidéo directement sur ces petites choses-là. Donc vous avez pas mal de genre, je ne sais pas comment s'ils appellent ça, des bigoudis ou je ne sais pas trop quoi. Hop, voilà. Et ça, en fait, c'est pour attraper les cheveux, il me semble. Alors je ne sais pas trop comment on s'en sert. Je vais regarder ça. Je crois que voilà, il faut prendre ça en fait. Il me semble que ça se fait comme ça. En fait, il me semble qu'on prend une boucle, une mèche de cheveux. Et ensuite. Bon, ça va pas être trop comme ça, je sais pas trop. Donc voilà, c'est tout simplement en fait pour faire pour se boucler les cheveux. Donc là, je pense que je ferai directement une vidéo, une espèce de, ouais, voilà, vidéo tuto pour vous montrer comment on s'en sert. Je sais pas si c'est mieux de faire ça sur les cheveux mouillés ou sur les cheveux secs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà, je pense, vu ceci.
et si vous êtes déjà servi et si c'est bien. Et puis voilà, donc bah pareil, j'ai pas payé, je crois que j'ai payé ça une dizaine d'euros, donc je sais pas si c'est vraiment bien, mais voilà, quand j'ai vu ça, j'avais envie de tester, donc bah écoutez, on testera ça dans une prochaine vidéo. On continue. Donc bah là, j'avais déjà regardé en fait ce que c'était, parce que justement, je me demandais ce que c'était. Donc ça, c'est tout simplement pour moi, en fait, c'est ce qu'ils appellent les cupesquettes. Donc je sais pas trop comment on appelle ça. Et en fait, je me suis pris, bah, voyez, hein, Maléfique, parce que je suis une fan du personnage Maléfique. Donc en fait, c'est à vous de le monter vous-même. C'est pareil, alors... Ici, j'ai été voir, ils en vendent aussi, en fait, chez Micromania, ou, enfin, voilà, peu importe, hein, j'en ai trouvé à Espace Culturel, chez Leclerc, il y en a un petit peu partout, sauf que la différence, c'est que, en magasin, ça coûte une vingtaine d'euros, je crois, et là, si je dis pas de bêtises, j'ai payé ça 6 euros, je crois, un truc comme ça, enfin, beaucoup, beaucoup moins cher, donc je vais lui mettre tous ces petits accessoires, hop, et voilà, donc je sais, ça sert pas à grand chose, c'est juste un petit objet de décoration, elle a trouvé sa petite place. Ben, franchement, je suis vraiment trop fan, parce que c'est vrai que j'avais pas envie de payer ça ici à 20 et quelques euros, alors que voilà, c'est juste un petit objet de décoration, donc ça fait très très bien ici. Alors... Ah oui, donc là, je me suis acheté comme un serre-tête, sauf que à la différence, c'est que vous avez des petites pinces, en fait. Donc, si j'ai bien compris le principe, vous faites, hop, donc, en fait, vous mettez votre serre-tête comme ceci, et ensuite, après, vous pouvez, en fait, tirer des mèches de chaque côté. Bon là, bon, bien sûr, hein, j'ai pas non plus tout le matériel qu'il faut, voilà, j'ai pas de... Ça va pas être très très joli comme ça. J'ai pas les peignes, j'ai pas tout ça, donc il y a le petit... Hop, voilà, et en fait, vous y mettez vos cheveux, et ainsi de suite, en fait, vous prenez les mèches juste devant. Hop. Bon là, j'en ai pas pris assez au niveau de la... Hop, et vous venez coincer ça dans la petite... Voilà, et du coup, après, ça vous fait une espèce de coupe, en fait, avec, bah, justement, toutes les petites mèches de là qui vont être mises dans les pinces, et je trouvais ça plutôt... bah, ça change, en fait, voilà. J'ai testé ça, pareil, j'ai pas payé ça super cher, je sais pas si je vais vraiment m'en servir, mais bon, voilà, au moins, je l'ai acheté. Et je me souvenais même pas que j'avais acheté ça, franchement. Et apparemment, donc j'ai pris la même chose, mais en petit. Donc ça, je vois pas trop l'intérêt. Des fois, je me demande pourquoi je commande certains trucs, en fait. Parce que même si on met ça là... Ouais, en fait, c'est juste pour histoire de tortiller ses mèches. Hop. Tac. Bon, là, pareil, c'est fait à l'arrache, hein, mais voilà. Vous voyez un petit peu le principe. Vous avez juste à entortiller après vos mèches que vous faites glisser dans les petites barrettes. L'avant-dernier, je vais garder le gros pour la fin, parce que je sais ce que c'est et j'ai trop envie, j'ai trop hâte de voir ça. Hop. Donc là, c'est pareil, ce sont également des accessoires pour les cheveux. Donc je me suis prise... Donc je me suis prise des petits chouchous comme ceci. Donc en fait, ils sont en satin, tout simplement. Donc j'aimais beaucoup les couleurs. Vous avez d'autres couleurs, hein. Là, il y avait plein d'autres choix. Mais voilà, moi, je suis restée dans le basique, du noir, du marron, du beige, voilà, du nude. C'est très, très bien pour moi. Ensuite, je me suis prise... Ces petits élastiques là, en fait, j'aime beaucoup, pareil, je trouve ça, en fait, ça change un petit peu d'avoir des tout, enfin voilà, au moins ça permet, même si vous faites des coiffures basiques telles des queues de cheval, moi c'est ce que je me fais le plus, parce que pour travailler c'est ce qu'il y a de plus simple, en fait, hop, et je trouve que ça fait quand même beaucoup plus joli d'avoir quelque chose comme ça qu'un élastique tout simple, tout banal dans les cheveux. Moi, je trouve ça plutôt
Non, ça fait je vois pas trop ce que ça fait, mais ça fait super. Voilà, j'aime bien. Voilà, ça change de mes élastiques basiques, tout simple, tout noir, tout pas beau que j'ai l'habitude de mettre. Et ensuite, je me suis prise des petites barrettes. Donc, il y en a une grosse comme ceci. Alors, je sais pas trop si. C'est juste mis avec de la glu à la rigueur, peut-être mettre d'autres points de petite glu. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait les perles du coup, ils tiennent pas au fermoir. Donc je vois, peut-être mettre un petit peu de colle chaude dessus. Donc voilà, après ça c'est tout simplement une barrette comme ils font en ce moment. Voilà, comme c'est la mode, sauf que moi les barrettes à je sais pas combien, le prix de la barrette, j'avais pas vraiment envie de l'acheter. J'ai l'impression d'être retournée au collège pour la petite fille sage. Bref, et le reste, je m'en suis prise, hop, ils sont comme ceux. Donc là, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pareil en fait. Hein, sauf que là, au lieu que ça soit une espèce de fermoir, vous avez juste tout simplement à glisser ça dans vos cheveux. Et voilà. Donc du coup, vous aviez plusieurs modèles. Donc il y a ces deux-là qui sont exactement pareils. Ensuite, vous avez celle-ci. Et j'avais pris également celle-ci. Voilà, c'est juste des petits accessoires en fait bah, que j'ai pas. Et que franchement, comme je disais, j'ai pas envie de payer ça. Je sais pas combien, que ça soit sur ASOS. Ou enfin, principalement sur ASOS parce qu'ils font pas mal d'accessoires. Mais non, en fait, j'ai pas envie de payer une barrette 3 ou 4 euros quand je peux avoir pour 3-4 euros plusieurs barrettes, quoi, en fait. Enfin, c'est surtout que je pense que ça va pas me faire long feu et que je vais pas les mettre tous les jours, donc voilà, c'est très bien, c'est pas cher et ça me convient très très bien. Et enfin, mon dernier colis, enfin, d'ici, parce que j'en ai encore plein qui doivent arriver, mais. Vous connaissez AliExpress, autant il y a des choses qui arrivent très très vite comme le leggings. Je l'ai commandé le 31 décembre, je l'ai reçu le 7 janvier. Donc franchement, ça a été super vite et pourtant ça venait de Chine, comme quoi. Et puis il y en a, il y en a que j'attends encore d'ailleurs, que j'ai commandé depuis le mois de novembre, il me semble, et que, bah, que j'attends toujours, hein, mais bon, ça m'étonne pas. Je suis en train de me battre avec l'emballage. Par contre, c'est vraiment bien emballé, tant mieux parce que je sais que ça c'est super fragile. Alors pareil, j'ai pris ça parce que j'ai vu sur certains snaps de candidats de Terraïté en fait qu'ils vendaient au prix de, je crois, 24 euros ou 29 euros. Bref, je vais vous montrer ce que c'est. Mais moi j'ai juste kiffé, alors, je vais juste faire super attention parce que franchement c'est super bien emballé et ça c'est vraiment très très bien. Il y avait quand même, il y a du polystyrène tout autour, il y avait du papier bulle. Donc voici ce que je me suis acheté. Donc je sais pas, pareil si vous l'avez déjà vu en fait sur certains snaps, mais moi c'est vrai que je le vois assez souvent. Bah c'est tout simplement une rose qui est sous cloche. Moi, ça me fait penser vraiment à la Belle et la Bête. Et si je dis pas de bêtises, normalement, il y a un LED à l'intérieur. Donc, je vais essayer de l'ouvrir sans tout faire tomber. Parce qu'en plus, c'est bien, c'est protégé d'un cellophane. Hop. Donc, pareil, au niveau des couleurs, vous aviez plusieurs couleurs. Vous aviez du violet, vous avez du rose, vous avez du blanc. Vous avez également avec la tige qui est en espèce de doré, mais moi j'avais vraiment envie que ça ressemble à une rose normale. Donc ça se présente comme ceci. Donc je regarde le fer, il n'est pas du tout abîmé. C'est pas du tout abîmé. Ok. Donc ça fonctionne à pile forcément parce que, comme je disais, il va y avoir un LED. Donc hop, je vais vous faire super attention. Donc je pense que le fil LED de soi se trouvait à l'intérieur. Donc j'ai installé, enfin j'ai déroulé tout simplement le LED, hop, j'ai mis des piles comme par magie et voilà ce que ça donne. Ce que ça donne, ce que ça donne. Donc c'est vraiment, franchement, je trouve ça vraiment très 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 joli. Voilà, comme je disais, je l'avais vu sur des sites de. Enfin, sur Snap en fait. Et c'était des candidats de télé-réalité qui vendaient ça. Enfin, qui vendaient ça. Qui faisait du dropshipping, je pense, avec ça. Parce que voilà. Moi, je l'ai payé, il me semble, 10 euros.
Ouais, il me semble que c'était un peu plus de 10 euros, bref. Et eux, ils étaient quand même quasiment le double. Et je pense, j'ai pas commandé, mais je pense que c'est exactement la même chose. C'est pareil comme leurs nounours. Des fois, on les voit prôner des espèces de nounours avec des fleurs collées. Il y en a aussi sur AliExpress. En fait, il y a plein de choses comme ça que. De toute façon, je pense que la plupart des produits, pas tous les produits, mais voilà, ça vient de chez AliExpress. Et franchement, moi je trouve ça super joli pour 10 euros. C'est vraiment, je crois, c'est ce que j'attendais le plus en fait. C'est vraiment très 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 joli. Bon bah voilà, c'est fini. J'ai plus rien à vous montrer. Bon, jusqu'à la prochaine fois que voilà, je pense que je vais continuer à recevoir mes commandes. Donc pareil, je mettrai tout de côté pour vous en faire une autre vidéo parce que c'est pareil, j'ai commandé pas mal d'autres petites choses, j'ai aussi commandé des choses pour ma fille et je pense que ça peut être super intéressant, notamment pour ça quoi. Franchement, c'est vraiment mon coup, voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, je trouve ça super joli. Je pense que d'ailleurs ça va aller à la place de mon bouquet de fleurs qui est juste là et ça va faire, franchement, j'adore, je trouve ça vraiment mais très très beau. Ma fille, elle l'a pas vu encore, mais je pense qu'elle va en vouloir une. Et ouais, je vais peut-être y en prendre une aussi. Parce que franchement, c'est trop cute, quoi. Franchement. J'adore. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard.